Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce live sur les difficiles aventures. J'espère que vous allez bien, je vais juste enlever la Orana Cam pour l'instant, on n'en a pas besoin. J'espère que vous avez passé un bon samedi et j'espère surtout que vous m'entendez bien. Nouveau setup, parce qu'en fait j'ai changé de logiciel de stream, j'étais sur une très très vieille version d'OBS. Et là j'ai tout refait à neuf pour passer sur OBS Studio. J'ai fait presque pareil, tout ressemble à peu près à ce que c'était avant, mais avec trois petites légères modifications. Et surtout, vous allez me dire au niveau du son, parce que là, je n'ai pas de retour. Du coup, dites-moi, et coucou Grévy, dites-moi si tout va bien au niveau de ma voix par rapport à la musique, et après, si je rejoins Grévy en vocal, on fera aussi le réglage du Discord. Donc bonsoir à tous, en tout cas je vous remercie d'être déjà si nombreux ce soir. Donc salut Super Mathieu, salut Serlan Gustou, salut Dany, salut The Starfleet et merci pour le host. Salut G1, salut Blondstorm alias Louis, salut Fulcron, salut à tous et salut Archer, bonsoir, ça va, oui, ça va. Je parle pas assez fort. Ouais, alors je vais pas parler plus fort, par contre ce que je peux faire c'est augmenter le volume du micro. Voilà, j'ai augmenté un petit peu le volume du micro, et ce que je peux faire sinon c'est baisser un peu le volume de la musique. Donc dites-moi si je baisse un peu le volume de la musique par exemple. Pas de soucis, Dany. Parfait, d'accord. Donc vous avez... ouais, le stade il a avancé, Archer. Ce soir on passe au level 2. Et bah bonne soirée à toi, Dany. Et salut Cavs, bienvenue. Donc au niveau des petites modifs de mon setup, de mon overlay de stream en fait, j'ai mis un petit bandeau noir pour la musique, comme ça vous verrez mieux le titre de la musique. J'espère que ça n'empiète pas trop sur l'image de Minecraft. J'ai pu remettre enfin le retour du chat sur le côté là-bas. Donc ça c'est super cool, ça marche très très bien. Et en plus le chat sera un poil plus clean, puisque si vous faites une commande, elle n'apparaîtra pas sur le retour du stream. Donc ça c'est bien. Il y aura le résultat de la commande. Par exemple là si je fais un point d'exclamation creeper. Hop. Et bien en fait sur le retour du stream on voit le creeper mais on voit pas la commande que j'ai faite avant. Donc, je trouve ça plus propre. J'ai aussi... et salut Loulou, bienvenue à toi. J'ai mis aussi sous moi, en fait, je me suis mis plus petit, parce que finalement, voilà. Et sous moi, j'ai mis un petit défilement des événements qui se passeront sur le stream. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui follow, s'il y a quelqu'un qui fait des bits, s'il y a quelqu'un qui sub à la chaîne, son nom s'affichera juste en dessous. Et voilà, ça se fait beaucoup sur beaucoup de streams, j'ai rien inventé. Mais je trouve ça plutôt sympa et relativement discret. Je pense que ça n'envahit pas l'écran. Donc je trouve ça plutôt sympa, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis j'ai changé aussi, vous avez vu, sur au niveau de l'intro, on voit déjà le chat, on voit la musique, je trouve ça plus sympa. Donc voilà, des petites modifs. Et je dois dire que ce qui est super cool, c'est que là, mon processeur, il est quasiment pas utilisé. Donc ça veut dire que je pourrais peut-être même streamer en 1080p 60 fps.
Parce qu'en fait, là, ça utilise ma carte graphique pour faire le stream, alors qu'avant, ça utilisait mon processeur. Oran, tu dois avoir 5 bits en regardant une pub. Je sais pas. On fait comment pour faire des dons au cas où? Alors, tu peux pas me faire de dons direct, Sergent Gustou, parce que je n'ai pas activé de fonctionnalité particulière. Si tu veux vraiment faire des dons, tu peux avec le système de bits de Twitch. Ou alors, ce qui est encore plus sympa, je trouve, mais c'est pas du tout une obligation, si tu peux sub à la chaîne, en fait. Et donc, prendre un sub payant, ça fait une sorte de don, puisque je reçois une partie de l'argent, voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation, loin de là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est à peu près tout pour le setup. Si, ah si, voilà, je le vois. Si vous mettez mon pseudo dans votre message, moi, alors vous le voyez pas, mais moi pour le retour du live, maintenant il s'affiche en rouge. Du coup, s'il y a un message que vous avez mis qui m'est destiné et que je n'ai pas vu, n'hésitez pas à mettre mon pseudo dans votre message, donc Oran underscore. Et comme ça, il apparaîtra en rouge dans mon retour du chat. Et comme ça, je le verrai mieux, en fait. Non, mais Sergent Gustou, il n'y a aucun problème. Et si tu souhaites soutenir un seul streamer et que c'est pas moi, c'est tant mieux, surtout si tu soutiens un streamer qui vit de cette activité. Moi, je ne vis pas de cette activité. Voilà, c'est. Oui, Mathieu, ça marche, t'inquiète pas, en fait, j'ai déjà le retour rouge, mais vous le voyez pas, en fait. Moi, je le vois, mais pas vous. Mais ça marche, je te confirme que je vois s'afficher en rouge quand tu mets mon pseudo dans le message. Et du coup, il y a Greby qui est sur le serveur. Hop, hop, hop. Je vais le rejoindre en vocal. Ça a marché. Merci beaucoup, Greby, du coup, pour le petit tweet. Merci beaucoup. Et salut, Greby. Est-ce que tu m'entends, Greby? Salut, oui, je t'entends. Ah, impeccable. Alors, il va falloir que tu parles un peu pour qu'on voit si le volume du Discord est assez fort. Ok. Et eh bah ben alors les viewers, dites-nous. Et merci beaucoup Louis pour le host. Je pense que ta voix est plus forte que la mienne en fait, d'après mon retour au niveau du mélangeur audio là. Donc si c'est le cas, je vais te baisser un peu. Dites-moi Okay. sur le chat comment vous entendez Greby en fait par rapport à ma voix, comme moi je parle pas fort mais que Greby parle normalement. C'est moi ou t'as encore avancé depuis hier? Non. Non, 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 j'ai pas touché. J'ai pas touché. Ok, Mathieu nous dit que c'est bon. Ok, bon, on verra à l'usage au fur et à mesure de la conversation. Non, non, effectivement, hier soir, Greby m'a bien aidé et j'ai fait deux couches supplémentaires. Donc, j'ai commencé, bah, par exemple, là, vous voyez les écrans, les futurs grands écrans. On a terminé, du coup, la tribune basse, enfin, les deux tribunes basses. Les petites, on les avait finies en live mercredi, je crois. Et du coup, bah là, ce soir, on va commencer les tribunes du premier niveau, en fait, du premier étage, donc le deuxième niveau, voilà. Du coup, bah, je pense qu'on va pouvoir s'y mettre. C'est vraiment cool, je trouve, OBS ce studio. Et c'est là que tu te dis que ta fainéantise, en fait, te coûte cher, parce que j'aurais dû m'y mettre depuis très longtemps, en fait. Il y a plein de trucs vraiment bien. Non, mais c'est génial OBS Studio. Mais ouais, parce qu'en fait. Surtout la gestion en fait du son Oui, tout à fait. qui est vraiment. J'ai d'ailleurs j'ai vu que ton intro t'as baissé le volume. Bah ouais, et j'ai pu le faire. En fait, je pouvais le faire avant, mais avant, il fallait que je le fasse manuellement à chaque fois que je changeais de scène, en fait. Alors que là, j'ai enregistré le volume avec la scène, et puis voilà. Ouais. Et oui, Loulou, Greby, je confirme qu'il fait normalement un stream demain, si ça n'a pas changé. Oui, par contre l'heure, ça c'est incertain, mais Dans ça sera l'après-midi. en fin de journée. En fin de Parce journée, que d'accord. la dernière fois, je crois que je l'ai démarré vers 14h, 14h30. Cette fois, ça risque peut-être d'être plus vers les 5h, 6h, quelque chose comme ça. D'accord, ok.
Bah, du coup, moi, je risque de pas être là à cette heure-là, parce que c'est l'heure du petit, du bain, tout ça, tout ça. Mais après, tu comptes terminer vers quelle heure, tu sais déjà? Aucune idée. Ça sera peut-être un petit live. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, ce sera sur le Discord des Difficiles Aventures, ce sera sur le Twitter, donc n'hésitez pas à follow. Et j'ai toujours pas fait de commande pour ton live Twitch, mais on va mettre tout de suite le lien. Tu l'as plus en copier-coller, j'imagine. C'est Grébi le nom, tout court? C'est bon. Ok, ouais, voilà, parfait. Très bien, donc n'hésitez pas. Demain, il y aura aussi un live Difficiles Aventures. Et oui, Sergent Gustou, en fait, tu gagnes des diamants juste en étant actif sur le chat, en regardant le live, en suivant le live. Tu gagnes un certain nombre de diamants petit à petit, voilà. Et du coup, avec ces diamants, tu peux interagir avec le chat. Il y a la liste des commandes dans le shop. Voilà. D'ailleurs, j'ai installé Wizbot chez moi aussi. Ah, cool. Mais j'ai pas utilisé la monnaie virtuelle. Par contre, j'ai créé des rangs personnalisés. Ça, je voulais m'y atteler un de ces jours. Je trouve que je l'ai vu sur d'autres streams et ça a l'air de plaire pas mal aux streamers qui l'utilisent et aux viewers qui en font partie. Donc, je disais pourquoi pas. Et j'ai donc. Je sais pas encore comment ça marche, mais pour chaque niveau, j'ai mis un petit nom de rang qui sont associés en fait aux mobs de Minecraft. Et j'ai fait ça jusque. Enfin, après, je les ai plus espacés, mais vous pouvez monter jusqu'au rang 1000. Oh la vache! Ah ouais, il y a du level. Ouais, il y a Sergent Gustou qui rappelle que le shop est indisponible sur Android. Ouais, ça, c'est un peu dommage. Faudrait que je trouve un moyen de faire juste une petite page toute simple avec les commandes au cas où. Ou que je mette les commandes les plus utilisées en description de la chaîne, mais même sur Android en fait ça se voit pas bien les messages qu'on met sous la chaîne. Bon, allez, avant de vous commencer, on se fait un petit peu plaisir, on regarde le stat, la tête qu'il a sur Voxel Map, sur la carte du serveur. Et c'est vrai que ça marche. Qui a mis le chien? Le chien, c'est le chien de Minch, je crois. Ouais, ça rend bien quand même. C'est... Allez, du coup... j'ai pas... Ah si, image perdue 0. En plus, ce qui est super cool avec OBS Studio, c'est que tu peux avoir... Quand tu lances OBS Studio, ça te lance tout. Ça te lance le chat, ça te lance tout ce que tu veux, en fait. Tu peux directement modifier à la volée les réglages du live sur Twitch, le titre et tout. C'est super cool. Ah ouais, pour le coup, moi, ça, je fais pas. Ah bah, écoute... En fait, quand je l'ai lancé la première fois, ça m'a mis ça. J'étais surpris de voir le chat s'afficher. Et du coup, je l'ai positionné au bon endroit. Ah oui, c'est vachement bien. C'est dans afficher. Tu l'as. En fait, t'as connecté ton compte Twitch. Oui, tout à fait. Ouais. Pour le coup, j'ai pas fait ça, mais je devrais en fait. Ah, tu devrais, parce que c'est vraiment très très pratique. Du coup, là, sur mon deuxième écran, en fait, dès que je lance OBS, en même temps, sur mon deuxième écran, là où j'ai décidé de mettre le chat, il y a le chat qui s'affiche. Et puis j'ai affiché aussi la petite fenêtre des statistiques, comme ça, je vois le nombre de spectateurs, le nombre de vues, etc. en direct. Et puis le chat de OBS intègre directement Better Twitch Chat ou un truc comme ça. Du coup, tu peux régler la police d'écriture, tu peux régler plein d'options. Et notamment, là, j'ai mis un truc nouveau. Dès que quelqu'un met mon pseudo dans son message, le message est surligné en rouge. Du coup, si les gens veulent me parler directement, on le voit mieux en fait. Pas mal. Ah, et du coup, il y a Louis qui dit, bah, ça fonctionne maintenant. Tu veux dire sur Android? Ah bah, c'est cool. Bon, allez, sur ce... Ah oui, et puis quand même, je sais pas si t'as entendu quand je le disais, mais là, mon processeur, il est utilisé, je fais tourner deux Minecraft, hein, plus OBS, et il est utilisé qu'à 1,5%. Parce qu'en fait... Donc, avant, c'était beaucoup plus utilisé, c'est ça? Ah bah, avant, j'utilisais 30 à 40% avec OBS. Parce qu'en fait, l'encodage vidéo se faisait que avec le processeur. Alors que là, dans les paramètres, j'ai pu sélectionner ma carte vidéo. En fait,
T'as un assistant de configuration quand tu lances OBS et il a sélectionné tout seul ma carte vidéo, ce que j'avais jamais fait avant. Du coup, je l'ai laissé par défaut. Et donc, en fait, il utilise ma carte graphique plutôt que mon processeur, qui est cool pour streamer. Ouais, c'est pas mal. Du coup, je pense que je ferai des tests, mais je pense que je vais streamer en 1080p 60 fps, du coup. À voir. J'ai pas la connexion pour faire ça. Ouais, c'est... Moi, c'est pas la connexion, le problème, c'est Twitch. Le problème, Twitch, il veut qu'on envoie que à 6000 kilobits par seconde. Je pourrais envoyer presque 10 fois plus. Non, parce que pour envoyer plus de 50 fois plus. Enfin bref, trêve de plaisanterie. Je passe en mode survie. On va dodoter. Exactement, Louis, le stade va pas se faire tout seul. Et ce qui est cool aussi, c'est les groupes que tu peux faire dans tes scènes, dans tes sources. Dans les scènes. Oui. Du coup, là je vais connecter Orana. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'avant, pour vous afficher Orana, je devais activer deux fenêtres. Donc il y avait un léger décalage. Un petit creeper, merci Gusto. Je devais cliquer deux fois, donc il y avait un petit décalage entre l'affichage du cadre et l'affichage de l'image, alors que là, pouc, tout s'affiche d'un coup. C'est tellement beau. Allez, du coup... Vous avez la Orana Cam, elle filme, c'est parfait. J'active le schématique. J'étais dans les starting blocks. Yes. On en est à quelle couche? On en est à la couche 76. Donc ça... Ça progresse. Et t'es prêt à commencer par quel matériau du coup, Grévy? De la pierre. Des slabs de pierre. D'accord, ok, bon, bah moi je vais prendre le béton gris et le verre bleu. Donc il nous faut 5 stacks de chaque. Et je vais prendre aussi le quartz lisse. Et il nous en faut 4 stacks. Est-ce que je vous ai mis le son du jeu? Non. Je vais vous mettre le son du jeu. Donc, j'ai dit 5 stacks de chaque. Et les... Slab de quartz, j'ai dit 4 stacks. 1, 2, ah, celle-ci c'est pas bon. Hop. C'est parfait. On peut même prendre le béton blanc en fait. Et bienvenue Alexis. Non, on n'a pas fait tout à fait 76 couches parce que il y a quelques couches en souterrain qu'on n'a pas eu besoin de construire partout. Donc béton blanc, il en faut un stack tout pile. On va en prendre deux parce que jamais si on perd des blocs. Je vais te dire combien on a fait de couches en fait. Allez, on va dire qu'on a commencé à la couche 64 du coup. Donc on en a fait 12. Voilà, on a fait 12 couches. Allez, où? Par contre maintenant, ah j'aurais dû prendre plus de fusées, c'est pas grave. Maintenant, pour monter sur le chantier, il vaut mieux utiliser les fusées. Hein. Est-ce que... Oula! Rien! Salut les copains! Salut Mimiche! Ah, qu'est-ce que c'est que ce son? Salut! Rien. Bon, on n'entend pas, mais c'est... vous avez un petit coucou de Mimiche et Marco Sokolov. Ah, salut les copains! Au festival. Des éclectiques à cheminer! Oh la pub ou quoi, les mecs ils viennent spammer pour une pub. On n'entend rien du tout. On n'entend rien, Oran. Ah c'est dommage, nous on vous entend. Bonne soirée tout le monde. Bisous. Bonne soirée. Oh là 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 là. Et... un son de monstre, exactement.
On a fait plus de 3 lives, Alexis. Oui, donc il y a Marco et Mimich, et ils se font une petite IRL à eux deux. Je crois qu'ils habitent pas trop loin l'un de l'autre. Et en fait, Mimich, il fait partie d'une association qui organise un festival. Et du coup, je crois que Marco l'a rejoint. Enfin, c'est même pas je crois, c'est sûr du coup. Là, c'est sympa. Mais le son était pas terrible, hein, faut dire ce qui est. Il y avait pas mal de bruit, ouais. Ah bah c'est un festival, il y avait de l'ambiance. Du coup, le nombre de lives qu'on a fait, non, c'est beaucoup plus que 3, hein. Je sais pas combien de lives on a fait, mais... Déjà sur le stade, on est au moins à une petite dizaine, je pense. Regardez comme j'ai fait toutes les rediffs, de regarder la playlist pour savoir. Et puis bon, on a construit quelques couches hors live aussi. Genre hier, et puis je crois en début de semaine dernière, j'en avais fait aussi un peu. C'était Marco qu'on entendait, j'ai pas du tout reconnu sa voix. Ouais, si, on entendait Marco et Mimich, mais c'est vrai que la voix de Marco était légèrement différente, mais ici, je... C'est bien vu. Il parlait plus fort. En tout cas, c'était avec le compte de Marco qui s'était connecté à Discord. Ça m'a cassé les oreilles. Oh, c'était pas si fort que ça. Ah, là, je suis trop loin. Hop. Pas grave, on le mettra plus tard. Archer qui dit quand il y a 8 pintes dans le nez, ça change la voix. Ça, c'est vrai qu'ils avaient annoncé qu'ils testeraient pas mal de petites bières locales. Oula, échu. Du coup, je sais pas si t'as vu sur le live, j'ai rajouté un petit truc sous moi, sous la caméra, avec le pseudo des dernières personnes qui se sont abonnées ou qu'on follow la chaîne. Hein, c'est du version qu'il faut. Nouveau type de verre. Normalement, il y a une petite animation quand, si jamais quelqu'un sub ou follow, on le verra apparaître avec une petite animation. Ok. Enfin, c'est léger, hein, c'est... Il y a toujours de toute façon le son d'enclume, etc. Mais... Et du coup, Mathieu, ça dépend, une blague... Allez, une petite blague, pourquoi pas? Si elle est drôle. Après, si elle est pas drôle, tu t'exposes à un petit badoums. Alors, quelqu'un qui voit double entre chez son médecin. Docteur, figurez-vous que je vois tout en double. Le médecin répond, asseyez-vous sur cette chaise. Le patient de répondre, laquelle? Oui. Effectivement. Mais d'ailleurs, il y a deux médecins, en fait, qui lui répondent. Puis t'imagines, pour rentrer, il a dû vraiment réfléchir ou s'y prendre à plusieurs fois pour prendre la bonne porte. Et salut Tango! Tango qui se la pète avec ses petites enclumes. Bienvenue à toi, Tango. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'augmente le son. Là, on a une musique un petit peu plus calme que tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous l'entendez très bien. Oui, 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 Mathieu, Tango s'est abonné au gang des enclumes. Tout à fait. Il a rejoint le gang des enclumes. Tiens, je pense à la vidéo que t'as partagée, Grébi,
mais que j'ai pas regardé sur la nouvelle Snapshot. C'est une vidéo d'Il Mango en fait. Oui. Et c'était quoi les changements qu'ils ont fait au niveau des hitbox, c'est ça? Ouais, alors il y avait un problème avec les abeilles qui suffoquaient. Donc ça s'est corrigé. Et puis en fait, ils se concentrent sur la correction de pas mal de bugs, mais des vieux bugs qui sont là depuis longtemps dans Minecraft. Qui font vraiment beaucoup de bug fixes en ce moment. Ouais, Sergent Gustou, ouais, ça dérange si tu fais des blagues racistes, oui. Ouais, bah Mojang, ils sont à fond dans les corrections de bugs. Mais du coup, ça casse des mécaniques qui étaient exploitées jusque-là. Pas trop. Pas trop, d'accord. Justement, Il Mango en parle parce que il fait partie du serveur Seacraft. Je sais pas si tu connais, où ils exploitent, ouais, mais vraiment la redstone d'une manière assez... hardcore. Assez hardcore, ouais. Mais ils font des trucs, mais vraiment de dingue. Et du coup, bah, il disait, en fait, il casse pas trop ce qu'ils exploitent, mais il corrige quand même. Après, comme ils sont dans une phase de correction de bugs, ils sont aussi quand même pas mal à l'écoute, j'ai l'impression, de la communauté, pour éventuellement revenir en arrière s'il y a des bugs qui corrigent, mais qui faisaient plaisir à la communauté, enfin... Je pense par exemple à toutes les mécaniques autour des fermes à fer qui sont quand même vachement adaptées en tenant compte de ce que la communauté souhaitait. Mmh. Mais je crois que... je sais pas si c'est Il Mango, mais il y en a quelques-uns... Enfin, il doit y en avoir un chez Seacraft qui est aussi employé chez Mojang. Ah bah ça c'est classe ça. Ça c'est classe. Ouais... Alors Louis, il y a plein de trucs qui sont passés sur le Discord. Sois un peu plus précis, qu'est-ce que tu as mis sur le Discord? Sauf si c'est à l'instant, effectivement, moi je l'ai pas vu. Alors, Sergent, la blague elle passe si elle est raisonnablement... adapté à un public jeune. Il y a quand même pas mal de jeunes qui regardent ma chaîne et qui suivent les lives. Ou une blague qui soit pas... Aïe, je suis... Qui ne soit pas Peggy 18, on va dire. Voilà. C'est pratique cet escalier. Hop. Pour remonter sur le toit. Enfin, le toit. Le mur, on va dire. Vous voyez ce que je vois qui s'est caché dans le... Mais du coup, si j'ai un... Ouais, enfin, j'allais dire, si j'ai un peu plus de processeur, peut-être que je pourrais tenter de mettre les shaders même en live. Mais en fait, les shaders, ça utilise pas mal la carte graphique aussi, donc... Testerai peut-être. Parce que la dernière fois, quand je mettais le shader, j'avais quand même pas mal de... En live, je veux dire, j'avais quand même pas mal de baisse de framerate. Ah là là, mon pauvre Tango, c'est clair, avoir cours le samedi, c'est l'horreur. Moi, j'ai jamais eu cours le samedi, mais je pense que j'avais de la chance, ma chérie, elle avait cours le samedi, et mais c'est l'horreur à un point, ce truc. Après, par contre, il y a une année où j'étais enseignant, où j'avais, c'est quand je faisais mes stages, où j'avais école le samedi, et t'as pas le choix, tu le fais, quoi, mais ça raccourcit ton week-end à un point. Donc voilà, c'est clair que ne plus avoir classe le samedi, c'est vraiment très très bien.
Ah, c'est rigolo, les messages, ils ont été effacés tout seuls. Sur mon retour de chat. Et Grévy, toi, t'en as supprimé manuellement après. Donc c'était pas drôle alors, j'ai même pas vu la blague, c'est pas grave. Bon, mais je pense que je les ai supprimés et ça les a supprimés sur ton retour en même temps. Non, non, parce qu'en fait, j'ai eu un message a été effacé par un mod. Ah, un modérateur peut-être. Ah, un peut-être. Modérateur. Parce qu'après, j'ai Grébi a supprimé le message de Blindstorm. Donc, on va éviter les blagues, voilà. Que dit une pilule dans le pot de pilule? Je ne sais pas. Blindstorm, mais si, c'est pas parce que tu mets des astérix que ça rend meilleur. C'est comme les bips sur la censure américaine. Je me sens comprimé. Elle est pas mal celle-là. Pour les pilules. Moi, je préfère les petites blagues comme ça. Ouais, j'avais pensé un truc, j'ai pile la place, mais pour une pilule, mais voilà. Non, je me sens comprimé, c'est pas mal. Voilà, ça reste mignonné. On n'est pas là pour faire des blagues de très haut niveau. Hop. Comme j'ai cours avec des profs qui ont un taf à côté, parfois ils n'ont pas trop le choix de faire cours le week-end. Ah, triste, triste, triste. Hop. Est-ce que vous avez regardé un petit peu sur le chat des streams sur le nouveau jeu Star Wars Jedi Order? Toi, Gribi, est-ce que tu as regardé? Pas du tout, j'étais pas au courant qu'il y avait ce jeu. D'accord. Non, nous dit Starfleet. Non, nous dit Tango, je veux pas me faire spoil. Ok. Et je fais que de tomber. Ah, et Archer qui dit oui, il est vraiment beau, je trouve. Ah bah voilà. Enfin, quelqu'un qui sait apprécier la beauté des graphismes. Parce qu'hier, je regardais le stream de The Crane sur ce jeu. Et il y a des gens dans le chat qui disaient que c'était moche, que c'était digne d'un jeu de la PlayStation 2. Je pense que les mecs, ils ont jamais joué à la PlayStation 2, quoi. Quand même, ouais. Non, le jeu est très beau, faut pas déconner. Ah, du coup, Tango, tu vas acheter le jeu. Oui, on est très nombreux, donc merci à tous ceux qui sont arrivés. N'hésitez pas à te faire un petit coucou dans le chat. Hein. Ne soyez pas timide, on ne mange personne pour l'instant. Hop. Et je fais le Yamakasi pour essayer. Là, je vais pas y arriver, là. C'est combien de blocs qu'on peut sauter max en longueur? 5 blocs, ça passe pas. Hein. Non, ça passe pas, mais j'ai réussi à mettre mon bloc quand même. Hop. Fail. Et salut Surbi, bienvenue à toi. Comment vas-tu? La direction artistique qui est belle, Archer nous dit. Ouais, alors, ça dépend quoi. Moi, je suis pas fan du personnage, de la direction artistique au niveau du personnage principal. Je suis pas. Mais bon. Par contre, j'aime beaucoup les graphismes, Star Wars et tout. Ça doit être mon colis. Et j'ai fait un colis livré aujourd'hui. C'est pas bien, ça fait bosser les livreurs à presque 22h. Je pense que c'est ça. Pas bien. Et j'avais besoin d'un bouquin pour l'école et soit il me le livrait ce soir, soit il me le livrait mardi.
Et mardi, c'était trop tard, j'en ai besoin lundi. Je travaille j'entare le week-end. J'ai un peu honte, j'avoue. Mais livré à cette heure-là ? Bah, il mettait livraison entre 19h et 22h, donc là, ça frappe à la porte à 21h43, donc je suppose que c'est ça. Ma chérie va être très contente d'être dérangée. Oui, c'est bien ça. Et bah heureusement, parce que... On a un bébé qui dort. Heureusement que la sonnette n'a pas marché. Bon, il est gentil d'avoir frappé ce livreur. Ouais, ouais. Non, j'ai honte. Bonjour. J'ai honte. Ah oui, mais j'avais pas en tête. Je leur ferai plus. Il y a deux manteaux sur un porte-manteau. Moi je m'appelle Bill, l'autre dit ah c'est cool moi aussi. Du coup le premier, alors nous sommes des Bill manteaux. Oh oh, des Bill manteaux. Ouais. Ah non, je suis enfermé. C'est ça, Mathieu. Exactement. Après, même si j'ai tous les jeux Star Wars, je suis pas un grand adorateur de EA, je veux pas trop les enrichir. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est pas français, Electronic Arts. Non, je confonds avec Ubisoft. Ouais. Bon, j'ai rien contre EA, ils ont fait des bons jeux quand même. Hein. Genre Star Wars Old Republic, j'ai beaucoup aimé. Et EA, bon, c'était le Star Wars aussi, du coup. Non, c'est américain. Ouais, ok. Ouais, c'est Ubisoft, effectivement, qui est français. Ouais, du coup, je parlerai pas de l'histoire, alors. Même si j'ai vu que le début, je vais pas vous spoiler. Ça faisait trop de jeux de mollets. Du coup, vous avez tous mérité un badounce collectif. Là. C'est l'histoire d'un tétard. Il croyait qu'il était tôt, mais il était tard. Nah. Hop, hop, hop. Bon, j'ai fait un clip. Et... L'URL c'est Secretive Horrible Frog Super Villain. Ah purée. Et t'as fait un clip à quelle occasion? Quand tu disais que tu le referais plus. D'accord, oui, il y aura une preuve vidéo. Le chat qui me fait ouvrir la porte et qui veut pas rentrer, non mais il se moque du monde. Pour parler plus poliment. Et salut Konzink. Bon du coup il y a Greby qui a enregistré le moment où j'ai dit que je le referai plus. Il y aura une preuve vidéo. Ah, c'est bizarre, Alexis, que t'as un retard. À quelle heure on mange les steaks? Je ne sais pas. Oups. Tartare. Ah 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 ah. Les steaks tartare.
C'est l'histoire d'un mouton qui s'appelle Hélène. Écrit comme de la laine, évidemment. Vous êtes en forme ce soir, dites donc, hein. Bah, t'as pas tant de retard que ça, Alexis, parce qu'en fait, là, j'ai dit ça il y a pas longtemps. What? J'avais pas pris le bon nombre de dalles de quartz. Il me manque une dalle de quartz. Vous êtes sérieux? J'aurais pas fait tomber une dalle quelque part. Une dalle. Il y a des bannes qui se perdent, que font les modos? Explication. Alors, dalle de quartz lisse. Il n'y en a pas, on va en faire de toute façon, c'est pas perdu. Paf. Du coup, je vais prendre du versian. Hop. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais reposer, je pense que deux stacks ça suffira. Je vais prendre de la laine blanche. Hop. Donc, t'as pris quoi, Grébi? Escalier dalle d'andésite. Très bien, je vais prendre les murets de diorite. Il en faut 3 stacks. 3 stacks. Je peux prendre des barreaux en fer, tapis gris clair, béton noir, dans tous ces petits trucs. Alors, tapis gris clair, il en faut un stack. Tapis gris, hop. Les barres en fer et les barres de diorite, j'ai dit qu'il en fallait 3 stacks. Hop. Hop. Voilà, voilà, voilà. Attendez. Je peux prendre aussi... Oh, faut que je mange. Je peux prendre du poisson. Voilà. Il y a un cooldown hein, sur la commande des diamants. Hein, donc si jamais votre nombre de diamants ne s'affiche pas, c'est peut-être parce qu'il y a le cooldown. Et puis sinon, si jamais vous pouvez voir le nombre de diamants que vous avez si vous accédez au shop. Je vous remets le lien. Et salut Robros, bienvenue à toi. Je travaille hors cam. Ouais, on a bossé hier soir avec... non, c'était pas... Si, c'était hier soir. Avec Grébi, on a fait 2 couches hier soir. Donc oui, oui. Et puis en début de semaine, j'en avais fait aussi 2 couches hors live. Donc c'est pour ça. En même temps... C'est pas très grave si vous manquez quelques couches dans le live hein. Et puis l'idée c'est d'avancer hein, tout simplement. Il y a un mec de ma classe qui a eu une crampe au bras en traçant un trait à la règle. Ah là là, c'est dur l'école. Pourquoi il n'y a jamais de ballon sur le plateau de questions pour un champion? Parce que Julien le perce. Je la connaissais. Oulala, Super Mathieu, il est bizarre ton message. Il reste combien de couches d'ailleurs? Beaucoup. Donc on en est à la couche 76. Et ça va jusqu'à la couche 111. Mais après, il y a des couches plus ou moins grandes. Les dernières, elles seront plus petites. Oui. Mais il y a quelques couches qui vont être longues. Des couches avec de la déco au niveau des loges. VIP.
Un ogre, ça a des couches, et toi tu en tiens une. Oui, tu veux dire Shrek, il y a des couches, un peu comme les oignons. C'est mieux raconté quand c'est Shrek, évidemment. Les participants risquent d'être ballonnés. Oui, on est encore loin de la fin, oui, ça va nous occuper encore quelques temps. Hein. Tout est fait. Et en fait, là, cet après-midi, j'ai refarmé un double coffre encore de béton gris. Mais je crois qu'il faudra que je refasse encore parce que... Enfin, le béton gris, peut-être pas. Mais en tout cas, le béton gris clair, c'est sûr. Et le vert cyan, là on commence à en mettre, mais toute la verrière est en vert cyan et j'en ai pas encore fait assez. Et je commence à avoir épuisé mes réserves de sable et de gravier, donc il faudra que j'aille en chercher. J'en ai encore un peu, mais... Mais bon, je fais ça au fur et à mesure. Donc en fait, voilà, hors caméra, je vais farmer les ressources. Et si j'ai pas besoin de farmer de ressources, je construis quelques couches. Mais la priorité, c'est les ressources pour avoir suffisamment pour les lives. Conzinx, c'est Greby, et avec moi. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous ont rejoints et qui n'étaient peut-être pas là au tout début, Greby fera un live demain, oui, c'est demain dimanche, sur les difficiles aventures en fin d'après-midi. Donc, n'hésitez pas à suivre le Discord des Difficiles Aventures ou notre Twitter pour avoir toutes les infos sur le début du commencement, sur les liens, etc. Hop, et je vous remets le lien Twitch. Tu fais bien. Hier, d'ailleurs, j'étais sur Twitch, je regardais le live de Bazon. Mmh. C'était drôle parce qu'en fait, Bazon, il croyait que j'étais canadien. Il était mal renseigné. Oui, en fait, il y a eu un moment de confusion à savoir si j'étais canadien ou suisse. Et si j'étais suisse et que j'habitais actuellement au Canada. Donc t'as pris ton plus bel accent canadien. Même pas. Non, bah j'ai laissé pendant un petit moment planer le doute. Un petit creeper, j'y ai pas cru. Avec la foufourche Starfleet. Ouais, méga connu celle-là. Et il y a Tango qui demande ce que tu vas faire demain en stream. Si tu veux déjà le dévoiler. On va faire un peu de redstone dans ma Batcave. Alors, est-ce que vous savez où se trouve la Batcave de Greby? Ah non, je pense qu'ils l'ont jamais vue. Je me demande si moi je l'ai pas montré une fois. Ah, peut-être. Parce que ça m'est arrivé de faire des survols en mode spectateur. Je vais montrer mon entrée secrète. Enfin, plus très secrète du coup. Où est les enclumes si tu me le dis pas, un son enclume gratuit. De quoi? Si tu racontes pas, tu vois. Je te le dis quand même en avance, Chrysalia est sur le serveur Minecraft en train de streamer. Ok, Chrysalia, c'est la personne que Mimich m'avait proposé de host à la fin du live précédent, je crois. Bah, je verrai à la fin de mon live. Si elle est toujours en stream, s'il y a quelqu'un que je connais mieux ou... Je connais pas, c'est... Non, je connais pas, c'est juste Mimich qui m'a dit que c'était quelqu'un qui était sur Bollycube. Et qui faisait des trucs sympas. Et voilà, petit enclume. Archer qui dit que ta Batcave elle est sous Gotham City. Gotham City, c'est la prochaine ville qu'on va faire en fait, et Greby a préféré commencer par la Batcave. Ouais. Pour ça, on va raser. Du coup, on va raser la montagne pour faire Gotham. bah non.
on va construire Gotham. Mais dans ce cas, il faudrait que je déplace ma Batcap. GG Louis pour les fantômes, là j'y ai cru. Comme ça fait un moment que j'ai pas dormi, j'ai cru que c'était vrai. Oui, tout à fait, Archer. On commence par les fondations pour le RP. Et oui, ça c'est trop bien, Alexis. Je pourrais faire le moustachu masqué quand je fais des pranks ou des trucs. Puis surtout, tu vas pouvoir faire une sorte de jingle genre I'm Darkby. Avec la grosse voix. Avec la grosse voix. Et comment on appelle une blonde, alors les blagues sur les blondes, ouais. Et comment on appelle une blonde qui comprend rien à l'informatique? Une icône. Starfleet qui a fait une purge au niveau de YouTube et Insta. Il s'est désabonné de 55 comptes. Oh là là. Je savais bien que ça pouvait spawner ici là-dedans là. Je pense qu'il faut quand même que je mette des carpettes. Et de temps en temps, je fais ça, je trie un petit peu ce que sur quoi je suis abonné. Ah, fou, tu m'as fait peur. ouais, ça m'arrive, mais des fois, je supprime un ou deux trucs, mais c'est rare que je supprime plus d'un coup, en fait. Là où ça m'arrive de supprimer beaucoup, c'est dans ma playlist à regarder plus tard sur YouTube. Parce qu'elle est trop grande. Du coup, des fois, je me dis, bon, bah, tant pis. Et pas regarder jusque-là, je le regarderai jamais. Donc, je supprime. Ouais. Aurait-on fini une couche, Grémy? Presque. J'ai quelques 2-3 blocs encore à placer, mais presque. Hop. Ouais, j'ai des... Là, il y a des tapis. Il y a peut-être des barrières de fer et puis il faut que j'aille chercher des. Et bah, je suis tombé donc en fait c'était la dalle de quartz que t'avais. Ah bah oui, tu peux bien de me le dire. Et salut Blue Man, bienvenue à toi. Ah, bon, il faut que je dorme. Et ce que je voulais dire c'était des. Comment ça s'appelle? Ouais, parce que là ça va être des vrais fantômes. purée, je vais pas y arriver, des barres de laine, voilà. Ah non mais Goustou, franchement. Pourquoi les Belges vont à la messe avec du savon? Pour laver Maria. Elle est pas mal celle-là. les barres de laine. Hop. Alors elle était où la petite dalounette de quartz là? Évidemment, elle est de l'autre côté. T'as vu qu'il manquait des escaliers en diorite, pas en diorite, en andésite au niveau des escaliers d'accès sur les côtés? Oui, c'est ce que j'étais en train de faire. Ok. Hop. Alors, je passe par là pour accéder à l'ascenseur. Mais non! Faut que j'arrête de regarder le chat quand je suis en équilibre sur un bloc que je tombe à chaque fois. Ah, elle est vieille celle-là sur les Lada là. Très connue. Une Lada, c'est une voiture? C'est ça, ouais, c'est des voitures héritées de l'ère soviétique, on va dire. Mon père, il en avait une pendant très longtemps. C'est des trucs qui sont incassables. Ouais, c'est assez solide, ouais, je pense. C'est assez... Ah, il manque des brut. Tapis. Ah, il manque des tapis. Mince, en descendu. Oui, Blue Man, tout à fait, on fait un stade. Donc on est sur... On est sur le serveur des difficiles aventures, serveur en survie. J'ai créé le stade d'abord en créatif et donc on le reproduit en survie puisqu'en fait on a fait toute une ville contemporaine
avec des gratte-ciels, des bâtiments, une gare, un stade, un aéroport, une batcave, enfin voilà. Je te montre un petit peu, donc le stade est là, et tu vois là, il y a la gare, il y a différents quartiers qui sont pas finis, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de verre. Voilà, des bâtiments, des véhicules, des bateaux, une base militaire, un festival, voilà, il y a plein de trucs. Hein. Je montre très rapidement. Donc voilà. Comment appelle-t-on un squelette qui parle? Un haut-parleur. Un os-parleur. Pouf, je suis tombé. Again. Bon, normalement, il était par là, le bloc de quartz que j'ai oublié. Il est là-bas. Ah, il manque des carpettes ici. Oui, c'est... Je suis en train de poser des carpettes. Ok, bah j'ai pose... je sais pas où t'es. Ah, d'accord, t'es là. Un geek ne s'ennuie pas, il se fait chier. Why not? Bon, cette fois-ci, je crois que c'est fini. Je crois. Bah merci, Blumen. Et bah du coup, on passe à la couche supérieure. Il manque une carpette grise. Ah, mince. À la recherche de la carpette perdue. Je pense à celui des bords extérieurs. Ouais, je regarde. Je refais un petit tour. Gris clair ou gris foncé? Gris. J'ai un mari en or, le mien est en tôle. Ah ah. C'est pas là. Le premier qui trouve la carpette. Oh, moi je te laisse hein, chercher. Ah d'accord, je croyais que tu étais en train de chercher. Même pas quoi. Bah j'ai pas de gris sur moi. Gribi n'a pas de gris. Et ça marche. J'ai trouvé, c'est bon. Elle est où? C'est reparti. Là, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, ici, là, du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que finalement, techniquement, je commence déjà une partie du toit, en fait. Une partie de la verrière qui va englober le stade. Et du coup, merci beaucoup pour le follow. Et donc, normalement, comme il y a eu un nouveau follow, peut-être qu'il y a eu une petite animation juste en dessous de moi. Je ne l'ai pas vu, mais peut-être. Et du coup, donc, merci TTV Pipo55. Bienvenue à toi sur la chaîne. Bah voilà Alexis, c'est moi qui ai gagné le droit de la poser. Hop. Ouais, ça marche, nous dit Mathieu. D'accord, t'as vu la petite animation. Bon voilà, je pense que ça fait pas grand chose, hein. ça sert à... Techniquement, ça sert à rien, mais mais ça a le mérite d'exister. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah oui, j'ai plus rien pour des cœurs. Des cœurs. Bon, bah, je vais rechercher du matos. Alors, hop, ça je repose.
Ouf. Ah non. En fait, je vais garder. Je vais garder. Alors, béton gris. Oh purée, il en faut 9 stacks. 9 stacks. Et il n'y a pas de verre bleu à cet étage, il n'y a que du verre cyan. Et j'en ai assez pour finir. Ok. 9 stacks. Donc le verre bleu, on va le reposer. Je libère un slot. 9 stacks. Allez, on va reprendre un peu de béton blanc. J'ai pas vu combien il en fallait, mais on en aura assez comme ça. Au niveau des carpettes. Oup, voilà. Allez, zou. Ça a pris combien de temps à tout faire? Donc le serveur, il existe depuis 2013. Mais la ville contemporaine, on l'a commencé en janvier 2015. Donc il y a presque 5 ans. En janvier, là, ça fera 5 ans. On a commencé. Donc comme tu peux le voir en fait sur le logo du serveur qui est en haut à gauche du stream, on est une quinzaine de membres. Après certains ne sont plus actifs depuis pas mal de temps. Donc on est 5 ou 6 actifs en ce moment. Et là ce soir donc je suis en vocal avec Grévy, qui m'aide aussi à construire le stade, mais il y a déjà eu Mimich, Akalis et même Marco qui ont bien aidé déjà à construire ce que tu vois là. L'aéroport, oui, on le continuera, vous inquiétez pas. Mais là, ça fait du bien de changer un peu depuis le temps que je vais faire un stade. Et puis, l'aéroport, on y est resté très très longtemps là depuis cet été, on a fait que ça. Donc, ça fait du bien de changer aussi un petit peu. Surtout que là, ce qu'il faudrait que je fasse pour l'aéroport, c'est le tarmac. Et ça va être un peu long et répétitif. Donc, il faudrait que je refasse des avions aussi. Ça peut être cool. Donc vous inquiétez pas, on y retournera. Toujours motivé par l'aéroport. Et donc bienvenue à toi Sparino. Et merci beaucoup Blueman pour le follow et bienvenue sur la chaîne. Oui, il a dû avoir la petite animation. Mais c'est trop petit sur mon retour de live. Je regarderai la rediff pour voir ce que ça fait. Et je la connaissais celle-là, elle est mignonne. Pourquoi les marchands de savon font fortune? Car leurs clients les savonnettes. Et j'ai eu. Heureusement, c'était un faux creeper. En fait, j'ai eu peur, mais à retardement avec ce faux creeper. Au début, je me suis dit, c'est un faux. Et après, j'ai eu un moment de doute. Je me suis dit, peut-être pas.
Ouf. Elles sont où les enclumes? Et hop, petite enclume. Merci Louis. En fait, les enclumes, c'est une petite forme de dédicace. Hop. Quand les creepers auront des bras, j'espère qu'ils auront jamais de bras. Ça marche pas Mathieu parce que je pense qu'il n'y avait pas eu assez de temps. Il y a un cooldown. Tu vois que ça marche les petites enclumes. Ça va vous prendre environ combien de temps à le construire ? Bien malin qui peut le savoir. J'en étais déjà à plus de 20 heures d'enregistrement parce qu'en fait la caméra qui est juste au-dessus de ma tête là qui vous montre un aperçu du stade en train d'être construit en mode vue aérienne, en fait c'est un second compte qui filme ce qu'on est en train de construire avec Grébi grâce au replay mode. Et du coup à la fin, quand on aura terminé le stade, je ferai une vidéo sur YouTube avec un gros timelapse de toute la construction du stade. On a commencé en fait en cassant la montagne. Vous voyez la montagne ici, elle est coupée au cordeau tout simplement parce qu'avant il y avait une montagne et que pour l'instant on s'en est débarrassé comme ça pour construire le stade. Bien sûr, plus tard. C'est les fantômes. Je me fais avoir par les fantômes en fait. Plus tard, bien sûr, il y aura un terraforming beaucoup plus joli. Mais du coup, depuis qu'on a commencé le terraforming, on en est à peu près à 20 heures d'enregistrement. Sachant que je n'ai pas enregistré les heures que j'ai passées à farmer les ressources, ni les heures que j'ai passées à créer le stade en créatif. Il m'a fallu à peu près... En créatif, j'ai dû y passer 2 semaines, je pense, à raison de... C'est très difficile à dire, mais de sessions de quelques heures. Je sais pas combien de temps j'ai passé en créatif. C'est long, en fait, à faire. Aussi en créatif. Mais plus rapide, quand même, que de reproduire en survie. Et salut Cubilo, bah ça va très très bien et toi? Ça fait plaisir de te voir sur le chat. Bienvenue à toi.
Je pense, Sergent Gusto, que t'as dû écumer tout le stock de Black Carambar possible et imaginable. Hein. Attention à l'indigestion. C'est ça. Plus trop le temps de passer ces derniers temps. Ah, trop de choses à faire, trop de jeux, trop d'occupations. Ah, la chute. Trop de travail. Yes, trop de travail. Les gens qui font les Black Carambar, c'est normal qu'ils soient bien payés. Ça doit pas être facile tous les jours. Oui. C'était bas ça. Ouais, 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 tu as raison, Cubilou. Greby, il a fait un petit live dimanche après-midi, dimanche dernier. Il en refera d'ailleurs un demain. Demain dans la soirée, début de soirée. Bah, du coup, ça fait plaisir que ça t'ait donné envie de suivre un peu notre avancement. Donc, bah, voilà notre avancement. On construit un stade. Et, je sais pas la dernière fois que t'étais passé, mais ça fait quelques heures qu'on est dessus. Ça progresse, ça avance bien. Ouais. C'est marrant parce que maintenant on est arrivé à un moment où ça fait tellement longtemps qu'on est sur le serveur, ça fait un moment qu'il y a des lives réguliers. Oui, il y a pas mal de viewers comme ça qui passent de temps en temps, juste pour... voir un petit peu ce que ça devient sur le plus long terme, en fait. Rigolo. Mmh. C'est marrant. Et moi, ça m'a fait très plaisir quand j'ai repris les lives la semaine passée de voir qu'il y avait, des fidèles qui revenaient après tout ce temps. Mmh. Parce que des lives difficiles d'aventure, j'en avais pas refait depuis un bon moment, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ah, Cubilou, il passe des fois discrètement, sans discuter, sans se signaler incognito. Tu fais bien. On fait tout ça des fois. Oui, oui, oui. Exactement. Par exemple, je suis plus hier soir, je suis passé sur un live de Bazon. J'ai regardé un petit peu, mais j'ai pas parlé. On fait tout ça, comme tu dis, Grémy. Hop. Bon là par contre il va falloir faire Yamakasi, c'est pas pratique. Pourquoi il y a des couleurs différentes sur le nom des gens, sur les pseudos? Bah c'est vous qui avez choisi en fait. Non? Ou alors tu veux dire pourquoi il y a des noms différents de ce que vous avez choisi? La couleur du pseudo, on peut la choisir. Ouais, mais en fait, effectivement, là, si je regarde, j'ai l'impression que la couleur que moi je vois dans le chat Twitch n'est pas la même que celle qui apparaît sur le retour du live. C'est vrai. Alors, il y a un concours de blagues, Cubilou, mais en fait, il n'est pas homologué, ce concours. Et puis, il y a presque un seul participant, en fait, ce soir. C'est un concours non officiel. J'avais pas remarqué, avec le Stonecutter, en fait, on peut sauter des étapes.
Oui, par exemple, tout ce qui est poli, on peut le faire directement à partir de brut. C'est génial. T'imagines un peu le... Il y a plein de ressources, ce Stonecutter. Pas de soucis, Kubilou. Faire du cidre poli à partir de cidre brut. Là, je sais pas. Purée, moi je fais que de rater mes sauts. Alors, c'est bon. Du coup, on va aller de l'autre côté. C'est qu'il devient un peu grand ce stade en fait. Tu vois, il te reste encore un petit peu de ressources, Kubilou. Bah du coup non, les blocs d'échafaudage, c'est vrai qu'en fait on les utilise pas trop, et en fait je sais là que je me rends compte que je me suis fait suer pour rien, parce qu'en fait tu vois finalement comme on construit couche par couche, pour l'instant on peut toujours accéder à la couche en construction à partir des accès RP, genre cet escalier là par exemple. Puis tu vois là j'avais pas vu de l'autre côté, mais c'est tellement plus simple d'être là pour viser les blocs. Enclume. Que dit Frodon devant sa maison? C'est là que j'habite. Ouais. Allez, t'as mérité, Sergent Gusto, un badoutz pour l'ensemble de ton œuvre ce soir. On est nombreux à faire la ville. Comme je disais tout à l'heure, on est une quinzaine de membres. J'arrive jamais à retenir le nombre exact. Après, en ce moment... On est 21 membres. Ah oui, voilà. Total. Le mec, il connaît même pas le nombre de personnes sur le serveur. Donc, on est 21 membres, mais on n'est pas actifs tous en même temps. Et actuellement, on est environ 5 ou 6 actifs. Si je compte, il y a Marco, Mimi, Choumoi, Grébi... Akalis, imagine, Daft un peu moins ces derniers temps, Marco, ouais ça fait 6, 7, 8 actifs, et on construit pas tous la même chose sur la ville, mais ouais, tout le monde construit un peu sur la ville. Tic tac tic tac. Du coup, je crois que c'est bon pour le béton. Je vais m'occuper des barrières en durite. Alors, il en faut 3 stacks. Oui, c'est un travail d'équipe, tout le serveur est un travail d'équipe, hein. C'est vraiment du Minecraft en multi. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de ressources que je farm, même si je les farm tout seul, j'utilise des usines qu'on a fabriquées à plusieurs, ou même que des usines pour lesquelles j'ai pas participé. Il y a des, par exemple, j'ai utilisé pour les blocs d'os, pour tout ce qui est colorant blanc, j'utilise l'usine d'Imagine qui a fait une petite usine à squelette. Pour avoir des outils aussi performants, j'ai utilisé les PNJ de Juju alors que j'ai pas du tout participé à construire toute son infrastructure. Pour tout ce qui est fer, on a l'usine à fer que Grébi a construite.
Voilà. Après, moi, j'ai construit des petites usines dans ma base pour tout ce qui est carpette, pour ce qui est colorant bleu aussi. D'ailleurs, si t'as besoin de colorant bleu, ça marche bien, ma petite usine, maintenant. Ok, super. Une usine toute bête. Imagine, il a fait la même chose dans un marais pour qu'on ait du... Tu sais, les orchidées, là, donc du colorant bleu... Du colorant cyan. Non, pas cyan. Si, cyan. Les orchidées, ça donne... Non, c'est bleu clair, bleu ciel. Les orchidées. Mais du coup, tu sais, maintenant, il y a une nouvelle fleur, là, elle est bleuée. Et les bleuets, ça pousse même sur les plaines, en fait. Donc du coup, comme j'étais sur un biome plein à un endroit dans l'aéroport, j'ai fait la petite usine. Et ça marche très bien. Ah, Cubilou, il apprend des choses. Ouais, avec les nouvelles fleurs, effectivement. C'est vrai que si on suit pas les mises à jour, il y a plein de nouvelles possibilités. Ouais. Et j'avoue qu'en plus, nous sommes passés de la 1.12 à la 1.14 directement cet été. Du coup, les nouveautés... Ouais, la fleur noire maudite, par contre, celle-là, j'aimerais bien... La... Enfin, c'est dans le Nether hein, qu'on peut avoir des fleurs noires. Avec les Wither, oui. Non, c'est pas ça. Je crois que ça spawn efficacement, ce truc. Parce que sinon, ça serait vraiment bien pour avoir du colorant noir. Parce que là, pour le coup, je vis sur mes réserves de poulpe. Mais elles vont s'épuiser, mes réserves de poulpe. Et puis, l'usine à poulpe de Juju, là, pour le coup, elle fonctionne plus. Donc un jour, il faudra qu'on se décide en faire une dans le désert, je pense. Là où on farme le sable, il y a une rivière, c'est au milieu du désert. On devrait pouvoir en faire une, mais apparemment, c'est chiant à faire. Et ouais, Blue Man, on est en 1.14.4, donc on est sur la dernière version officielle de Minecraft. On a eu la chance d'avoir rapidement beaucoup de mods qu'on utilise. Bah, Lightmatica, là, qui permet d'avoir une image fantôme de la construction du stade. Voxel Map, quand je vous affiche la map. Et surtout, Optifine, les shaders et le Replay Mod, qui me permet de faire des timelapses. Donc, comme on a tout... On a franchi directement deux versions. On est passé de la 1.12 à la 1.14 direct. On n'a jamais eu la 1.13 sur le serveur en fait. Aïe. IRE, Mathieu, pas de soucis. Coupure d'électricité, c'est chiant ça. C'est la deuxième fois en fait qu'on saute comme ça une version. Oui, on était passé directement de la 1.8 à la 1.10 je crois, ou la 1.11. Ouais, 1.9, 1.11 peut-être. Ouais, je sais pas. Oui, c'est vrai que je perds beaucoup de vie en ce moment. J'ai mis un petit temps à la comprendre, sergent, ta dernière blague. Hop. Et salut Luffy's. Wood le faux creeper. Je regardais le chat au moment où je l'ai vu apparaître. J'avais oublié deux blocs de béton blanc ici. Histoire de l'armoire qui n'est pas commode. Classique. Des faux creepers, mais t'es malade. Ah, tu t'avais jamais vu le principe Cubilou. Mais ouais, ça peut surprendre. J'ai failli faire une crise cardiaque.
Oui, si t'es en train de jouer à Minecraft en même temps, ça peut jouer des tours. Et voilà, j'ai fini les barrières de diorite. Alors en fait, Blue Man, sur le live, il y a un système de diamants. C'est-à-dire que plus tu restes présent sur le live, plus tu participes aussi avec tes messages, plus tu vas gagner des diamants. C'est une monnaie virtuelle complètement gratuite, sans engagement. Il suffit juste d'être présent. Et tu peux voir combien tu as de diamants en faisant la commande point d'exclamation diamant. Et en fait, ces diamants, ils servent à rien si ce n'est à les dépenser en utilisant des commandes payantes, payant en diamants, et ces commandes peuvent déclencher des sons sur le live qui sont, voilà, qui sont diffusés, que j'entends et que vous entendez du coup. Donc, le best-seller, toutes commandes confondues, c'est le creeper. Après, il y a plein d'autres commandes pour faire des sorcières, pour faire des PNJ, enfin pas des PNJ, non, j'ai pas mis les PNJ, des sorcières, des fantômes. Il y a même une super commande, la folie meurtrière. Mais celle-ci, elle coûte cher. Enfin bref, voilà. On a fini un étage. Bah, je crois. Il me dit qu'il manque 8 murettes du rythme, ça doit être parce qu'ils sont pas ils sont mal placés. Mal placés, ouais, je pense. Bon bah, on a fini un étage. Holy meurtrière, c'est ça, c'est exactement ça, Tango. Folie meurtrière. Ah bah voilà, Starfleet qui a tenté sur un malentendu, mais non, ça ne passe pas. Bah si, Sergent Gustou, je pense que si Tango il connaît le second degré, mais c'est vrai que t'as fait plusieurs blagues qui étaient limites. Pour ça, moi aussi, que des fois je les ai pas lus, que j'ai pas réagi. Des limites, quoi. Donc une, ça va, mais plusieurs. Bon. Et je pense que c'est pour ça que Tango, il a fini par réagir. Du coup, couche supérieure. Wouhou. Alors, on va se débarrasser de ça. T'es reparti sur quel matériau, du coup? Ah, je fais direct les gradins. Ok. Et bah, pour changer un peu, je vais poser les dalles en pierre, tiens. Donc, il me faut 12 stacks. 12 stacks. Sauf que j'ai pas la place. Je vais poser des trucs. Oui. Béton noir, on va le poser pour l'instant. Et du coup, j'avais dit qu'il fallait 11 stacks de stone, hein, c'est ça. Et donc, avec le stone cutter, ça devrait le faire. Let's go. Oh là là, ma dernière fusée. Attendez. 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 Voilà, on se recharge.
Alors, ah, j'aurais dû prendre. J'aurais dû prendre direct aussi dalle escalier en durite. Et salut Olivier. Ou re, je sais plus. Mais je crois que non. Hop. Alors. Donc j'ai dit que je voulais un andésite. Je sais pas pourquoi j'ai dit durite, c'était un andésite que je voulais dire. Petit jeu là dans le chat. M'embête en fait alors que je peux tout simplement faire ça. Ok. Il y avait direct des dalles là-dessous que j'avais pas vu. C'est vrai qu'il faudrait que je remette un peu plus la transparence sur mon Lightmatica. Quand je parlais de transparence, je me croyais pas assez bien lire. Par contre, il n'y a pas encore l'accès au deuxième étage et ça, c'est un peu chiant. Du coup. Surtout quand on foire ses sauts. Non, Sergent Gustou, moi je suis français et je comprends pourquoi Tango il te dit que tes blagues, en fait, ça marcherait très bien avec n'importe quelle nationalité, c'est pas lié à la culture belge. Mais c'est pas grave non plus. En fait, ça marcherait même avec les Français, hein. Ou les Suisses. Ça c'est pas sympa ça.
Nope. Bon, je vais partout pareil, j'imagine. Voilà, j'imagine que pour l'instant, le pattern est le même partout, même sans le schématique, comme ça. Faudrait que je retrouve où c'est pour gérer la transparence, mais c'est un peu chiant, je trouve. Les options de Lightmatica, elles sont pas toujours très claires. Il y a beaucoup de menus, en fait. Ouais, faut tester. Et faut pas tester 36 choses à la fois, sinon t'es perdu dans ce que t'as testé. Oui, Cubilou, je comprends. C'est pas très propre, peut-être. Juste qu'en créatif, je fais comme ça et que j'ai pas envie d'avoir des dalles rouges, enfin des blocs rouges. C'est juste qu'en fait, en créatif, j'ai dû placer d'abord des dalles. Et puis après, j'ai dû regarder par dessous et... pour que ça fasse plus joli. C'est ça, c'est toi. Il y a un bruit dans World of Warcraft qui est chelou. Un bruit de train, voilà, tchou-tchou. Mais je me suis demandé si c'était le chat qui ronflait. Ou si. Ou si c'était le petit qui faisait des bruits chelous. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça m'a questionné. On l'entend un petit peu. Un petit peu. Oui, les deux solutions reviennent aux mêmes, mais du coup, voilà, pour éviter d'avoir des erreurs qui s'affichent entre le schématique et ce qu'on fait, j'ai choisi de mettre les dalles. Pff, non, c'est un faux creeper. Elle a déjà été faite ce soir, là, le coup de la papaye et de la foufou. Ça montre à quel point elle est archi connue. Deux fois ce soir. Et bah salut Super Mathieu. Bonne soirée à toi. Et à bientôt. Et bah à plus Starfleet, bonne soirée à toi et merci encore d'être passé ce soir. Hop. J'en profite que j'ai des escaliers en durite, en andésite. Starfleet qui s'en va avec ses presque 600 diamants. Je demande pourquoi t'économises Starfleet. Du coup, on va aller de l'autre côté, on va changer de tribune.
Du coup, Starfleet, il reste parce qu'il veut partir à 600 diamants. 594, c'est pas un nombre pile, tu vois. Starfleet qui tente une blague aussi. Qu'est-ce qui est jaune dans un arbre? Je ne sais pas. Ah, cette fois, c'est pas un chouchou. Cubilo, t'es un peu plus pauvre. C'est normal. Le camion du facteur qui a loupé le virage. Alors en France, Gréby, la poste a des camions, des camionnettes jaunes. Ici aussi. Ah oui. C'est ça, Cubilo, voilà. C'est ça de pas passer. Voilà, tu passes à côté d'une fortune en diamants. Gréby qui a 1009 diamants. 1009, c'est parfait. C'est 1000 hein, qu'il faut pour une folie meurtrière. C'est ça. Mais bon, moi je les dépense pas. Ah. Ça fait peur. De toute façon, à quoi bon, je suis tout seul. Ah bah. Une folie meurtrière, donc c'est pas très raisonnable. Oui. Elle est pas mal celle-là. Quel pays le plus cool du monde? Le Yémen. Bon, en fait, avec 1000 diamants, je lance plutôt une guerre froide, en fait. Avec quoi, t'as dit? Avec? Avec mes 1000 diamants, je lance une guerre froide. C'est ça, la menace de la guerre, quoi. En fait, c'est la menace fantôme, finalement. Oui. N'importe quoi. Qu'est-ce qui est rose et qui saute d'arbre en arbre? Un chewing-gum collé au cul de Tarzan. Là, je la connaissais de quand j'étais petit. C'est le problème de cette blague, c'est que t'es obligé d'imaginer le truc. Eh ben, bonne soirée à toi Cubilou, ça m'a fait extrêmement plaisir de te revoir passer sur le live, à bientôt j'espère, et repose-toi bien. Eh ben, bonne nuit Starfleet qui s'en va avec ses, 100, ses 604 diamants. De toute façon, si je vois que vous gagnez trop de diamants, je pourrais reset. En vrai, depuis que je suis revenu sur Minecraft il y a quelques jours, j'ai rattrapé un peu mon retard sur les mises à jour. Il y a vraiment des trucs cool pour la construction, mais je sais pas pourquoi ils ont mis tant de temps pour les implanter. On m'a demandé ça pendant des années. Oui, tu veux dire les escaliers, les dalles, et puis plein d'autres trucs. Oui, bah, et puis on se demande encore pourquoi ils l'ont pas fait pour le béton. Franchement, escalier, dalle en béton, je pense que tu fais ça, et voilà. Minecraft est un jeu fini.
En fait, c'est ça, ils veulent pas finir le jeu, tu vois. Ils osent pas. Ils se disent plus personne va suivre les mises à jour après. On va s'arrêter à cette version. C'est ça. Et salut Thomas, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Je pense, sergent, effectivement, que tu as fait assez de blagues pour ce soir. Tu peux en garder pour d'autres lives. Alors, hop, on va tenter. Oui, ça passe. Nice, j'avais encore quelques barrières de fer. Du coup, je vais m'occuper du vert bleu à la limite. Alors, vert bleu. Combien c'était qu'il en faut? Il faut 5 stacks et puis il faut 2 stacks de version. Donc 5 stacks. Oh, il en reste un peu encore. Alors, ça va le faire. Non, sergent Gusto, Olivier, il a parfaitement compris. C'est toi qui as pas compris, là. Essaye de te dire. Donc, je pense, sergent Gusto, que tu pourrais arrêter les blagues parce que, tu vois, ça fait quand même plusieurs personnes qui te disent que c'est plus très drôle, moi y compris. Et j'ai pas pris de carpette, hein, c'est dommage. J'ai du béton noir sur moi. Nope. J'ai ça. Bon, je repasserai plus tard pour les écrans. Thank you.
Je vais m'occuper de des piliers en diorite. Ok. Et merci beaucoup Momo, 7 Momo pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Installe-toi tranquillement. Et re Blue Man. Re. Mais c'est ça que j'ai pas pris, c'est les carpettes. Que je regarde à la fin combien il reste de blocs à poser, les différents types de matériaux et en tout. Encore beaucoup. ouais, mais c'est pour savoir justement par rapport à nos réserves. Après, je regarderai ça hors live parce que je vous ai pas montré le stade initial et je veux pas vous le montrer. Pas de soucis, Olivier. Blue Man, ah bah voilà, merci beaucoup Greby, j'allais le dire. Voilà le nom de la chaîne YouTube. Comment pour ça. Hop. Du coup, je vais aller chercher les carpettes et tout ce qui est pour faire les écrans. Et on sera pas mal, Greby. On sera pas mal. Donc du coup sur la chaîne en ce moment il y a essentiellement les rediffusions de live et puis de temps en temps il y a un épisode avec un méga timelapse de tout ce qu'on a construit en live. Donc là pour l'instant avant d'avoir un nouvel épisode il va falloir qu'on attende de finir le stade puisque ce sera le sujet de l'épisode 28 des difficiles aventures. Donc voilà, tant que le stade n'est pas fini pour l'instant l'épisode n'est pas encore... le montage de l'épisode n'a pas encore commencé. Mais je vais ton gris, ça n'a rien à foutre là. Mais voilà, ça sera le thème, le stade. Donc il me faut du béton noir pour faire les écrans. Hop. Et il me faut... On va prendre 2-3... Hop. Ah bah j'en ai en fait. Bah j'en ai... J'avais dit 2-3, j'en ai 3. En fait, c'est un abus de langage parce que je vais en prendre un peu plus que 2-3, en fait. Voilà. Et normalement, j'ai ce qu'il faut. Allez, zou, on y retourne. Faut jouer avec les couleurs dans le jeu, des fois, ça peut bien rendre. Ouais, bah là, je pense que sur le stade, au niveau du stade, je pense qu'on joue pas trop mal sur les couleurs. Quand même assez varié, assez contrasté, je pense. Après, j'ai quand même utilisé
beaucoup de nuances de gris. Parce que c'est quand même ce qu'on a le plus dans Minecraft finalement. C'est vrai. Donc le gris clair, le gris foncé en béton, la terre cuite cyan, la laine aussi en gris. On a aussi la stone, l'andésite. On a quand même beaucoup beaucoup de sortes de gris. Nope. Oh non. Oh, j'ai plus de barrière en fer. Ouais ouais Blue Man. Je pense que ça va bien rendre, que ça va. Faut imaginer qu'il va y avoir un toit en fait, une enveloppe qui va englober tout le stade en fait. Je me suis inspiré de plusieurs stades existants. La Viva Stadium à Dublin et puis le stade de Tottenham à Londres. Donc là j'avais tout mis, de l'autre côté qui manquait des choux. Alors je parle pour le toit, pour la verrière, pour les gradins, je n'ai pas d'inspiration particulière. Si ce n'est que j'ai regardé beaucoup beaucoup de photos de stade. Mais par contre ouais, pour la verrière et le toit, c'est pas du tout une reproduction parce que ça ressemble pas du tout ni à la Viva Stadium ni à Tottenham. C'est un mélange des deux, un mélange libre en fait des deux. Oh, j'avais oublié des barrières de fer. Bon bah écoutez, j'ai bien fait d'aller en chercher. Ça, c'est la cage d'ascenseur en fait. Les terracottas décorés sont les blocs les plus complexes et durs à associer. Ouais, là, c'est Akalis qui s'est chargé de faire les blocs de terracotta là, pour faire comme si c'était des pubs ou des affiches, etc. Et franchement, ça rend bien. Et il a passé beaucoup de temps à les placer correctement parce que c'est très très chiant. Et je le remercie parce que moi j'avais mis ça en créatif un peu n'importe comment. Et j'avoue que j'avais pas eu la patience de faire un truc un peu travaillé. J'avais mis ça au hasard. Hop. Bah Grévy, je crois qu'on arrive au bout. Ouais, il y a encore quelques petits détails, notamment du béton gris. Ah, j'en ai sur moi si jamais. Si t'en manques, je peux. Ouais. Ni ça, j'arrive. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On aura fait 3 couches. Pas mal. Pas mal du... Non, je suis tombé. Je remonte. Ah mince, c'est du béton gris clair. Ah, j'ai pas ça. J'en cherchais. Ah oui. Je croyais que c'était du béton gris que tu veux foncer. J'ai pas réfléchi parce qu'en plus j'avais regardé qu'il en manquait pas. Moi je ramène du béton gris clair, t'inquiète pas. Gris clair. Tu es là. Et quelques slabs de quartz. Non. J'ai vu aussi. J'en ai. Pas grand chose.
Il y avait que de ce côté-là où il manquait, ou de l'autre côté aussi? Ah, de l'autre côté aussi. Oui. Ah bah il manque même la terracotta. Ça pour le coup j'en ai pas pris. T'en as? Ah, ça j'en ai. Ah mais j'en ai pas assez. On va y arriver. On va y arriver, Grébi. Même si c'est la fin. Même si c'est dur. Même si on peut plus. On va y arriver. Ah puis j'ai trouvé des blocs de quartz qui manquaient, tiens. Il manquait que deux. You can do it. Bon, on va vérifier, mais je crois qu'on est pas mal. Il manque une terre cuite-cien. Je l'ai posée. Alors je refresh. Touk. On est bon. Parfait. Trois carpettes grises. Non. Elles sont mal placées, mais c'est pas qu'elles manquent. C'est ça, hein? Ah non, missing 3. Mince, où ça? Ça doit être sur les bords extérieurs. Ah oui, il en manque une ici. T'en as sur toi? Non, j'ai toujours pas de gris. Et Gribi, gris. Bibi n'a pas de gris. Ah là 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 là. Il en manque toujours deux du coup. Voilà. On va vérifier de l'autre côté parce que là, j'en ai retrouvé une, donc il en manque encore une. Mais je crois qu'ici j'avais mis. Donc c'est peut-être en face. Oui, c'était là. Yes, cette fois-ci. C'est fini. Tout bon. Ah merde, je crois que sur Orana j'ai oublié de mettre le P-Time. Ah ça c'est nul, parce que du coup Orana elle a vu le jour passer. Ah, flûte. Et ça c'est un peu relou pour le timelapse. Ah. Ah, le boulet. En fait, faudrait que je demande à... Imagine s'il n'est pas possible de modifier le plugin pour que ce soit automatique, en fait. Le perso, il garde toujours le réglage, même quand il se reconnecte, en fait. Ah là là, quel boulet. Bon, bah tant pis, je me débrouillerai sans. Je sais pas trop comment je vais faire. Il n'y aura pas de shader, je sais pas. Je vais voir. Bon, du coup, je déconnecte Orana. T'as pas la possibilité de faire, d'avoir une sorte de P-time local quand tu fais ton rendu? Ça pourrait être non, bien. Non, ça existe pas sur le replay mode, ça existe pas, malheureusement. Merci Archer. J'ai dit, si on voit le changement de jour, je crois que ça, on va pas avoir le choix. Va falloir détruire et reconstruire. Nope. Allez, c'est reparti. Nope. Mais on peut faire comme les ceux qui font les timelapses. Oui, en mode reverse. Ouais. Ah ouais. Ouais, en mode reverse. Du coup, on va reculer un peu, prendre un peu de hauteur. Enfin, déjà, on va regarder sur le voxel map. Ouais, ça, on voit pas grande différence. Si, les tribunes qui prennent un petit peu plus de place. Puis là, le blanc qui commence à dessiner le toit. Et du coup, et bonne nuit à tous ceux qui s'en font. Merci beaucoup pour votre présence. Et du coup, voilà, le stade qui commence à avoir une petite hauteur, et là vous commencez à avoir un petit peu l'idée derrière les parties en terracotta et en béton gris clair.
Et ça fait comme une sorte d'arche pour l'instant qui va envelopper le stade. Pareil ici, ça commence à se dessiner un petit peu. Et bah ouais, les tribunes elles avancent bien. Hein. Ouais. Allez, on va se mettre ici pour faire la miniature, ça va changer un petit peu. Tac, de la relief. Merci beaucoup Blue Man pour le compliment. Ouais, ça commence à bien. Donc du coup, Blue Man, bah voilà, si tu connais pas le serveur, je peux te montrer un tout petit peu les alentours. On va pas faire tout un world tour, mais on a pas le temps. Mais donc ici, on avait fait il y a très longtemps un début de parking pour le stade, mais bon, il est très bien ce parking, on va le garder, mais il est trop petit, donc on en fera aussi de l'autre côté. On avait fait cette grande avenue où il manque encore des voies de sortie par ici. Et puis ça, là, c'est les rails d'un métro aérien qui va donner sur une station. La station de métro sera à peu près ici. Et merci beaucoup Vanessa Bird pour le follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. Ah, ça commence à bien rendre. Et donc ici, là, juste à côté, c'est la gare. Donc la gare qui est presque finie, manque juste des trains. Mais là, la déco de la gare est faite. Une gare moderne. Avec une partie plus ancienne. Voilà. Donc voilà, je ne vous montre pas tout. Hein. Faudra qu'on fasse... Et merci beaucoup Andréon Innoob. Merci beaucoup Vanessa. Donc voilà pour ce live ce soir. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Discord, sur YouTube. Je fais des lives tous les mercredis et les samedis soirs, donc n'hésitez pas à repasser. Et on va se laisser en compagnie d'un autre streamer. Alors, je regarde qui est en train de streamer ce soir, du coup. Il y a ML2G qui fait du Minecraft. Sinon, il y a... Ah si, il y a Chrysalia, la fameuse Chrysalia. Et bah écoutez, on va host Chrysalia. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup pour tout... pour tous vos messages et pour tous vos encouragements. On se retrouve mercredi et je vous laisse avec Chrysalia donc qui fait du Minecraft sur le très chouette serveur Bolicube. Et merci beaucoup Greby pour m'avoir bien aidé ce soir. Mais de rien. Allez, tchou tchou, bonne soirée à tous. Salut.